moment I understood the weakness of my flesh. It disgusted me. I craved the strength and certainty of steel. I aspired to the purity of the blessed machine. Your kind cling to your flesh, as if it will not decay and fail you. One day the crude biomass that you call the temple will wither, and you will beg my kind to save you. But I am already saved. For the machine is immortal. Même dans la mort, je sers l'Omni-Messie. Eh ben, ça commence bien. Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Warhammer 40 000 Mechanicus. Donc on va commencer une campagne, hein. Un run, parce que ça ressemble beaucoup à un roguelite dans son exécution de jeu. Voilà, c'est un jeu de stratégie, hein, au tour par tour, et on va se lancer. Alors, je vais sûrement devoir faire des réglages. Donc, n'hésitez pas à me dire si le son est trop fort, pas assez, est-ce que le son de ma voix est plus fort que celui du jeu et inversement. Voilà. On va aussi parler un petit peu du lore. Je vais pas trop exagérer, mais là, on a le culte Mechanicus qui rencontre des Nécrons. Donc, évidemment, on va parler de Nécrontyr, de Nécron, du culte de la machine, de l'hérésie d'Horus, et des débuts de l'Empire, quand l'Empereur a rencontré le culte de la machine, et ce genre de choses. Hein. Donc voilà, on mettra ça en place, mais au fur et à mesure des vidéos, au moment où j'aurai un truc à dire, sûrement quand le jeu me rappellera quelque chose, je ferai de l'explication, quoi. Je vais aussi lire les textes, et tout ça, donc on aura l'histoire au complet. On va pas juste passer les textes pour faire l'émission, hein. Voilà. Donc, on va se lancer. Je vais aller régler les paramètres vite fait et on se retrouve dans une seconde. 41e millénaire, une époque de ténèbres et de guerre. L'Imperium de l'humanité revendique la galaxie entière au nom de l'Empereur Dieu. Il mène une guerre sans fin contre les xénos à l'extérieur de l'Imperium, les hérétiques à l'intérieur et les horreurs surnaturelles venues de loin. L'Adeptus Mechanicus sert aux côtés des flottes de guerre de l'Imperium. Ce sont les Tech-Prises de Mars, gardiens et récupérateurs de la technologie de l'humanité à la recherche constante des vestiges de connaissances du glorieux passé de l'homme. Ils explorent les profondeurs de la galaxie à la recherche des mondes perdus aux yeux de l'humanité depuis longtemps. Au nom de leur dieu machine, ils fabriquent des machines de guerre impériales dans ces fonderies gigantesques connues sous le nom de Monde Forge. Progressivement, les Tech-Prises de l'Adeptus Mechanicus abandonnent leurs faiblesses humaines, remplaçant leurs membres et leurs organes avec des machines qui sont plus efficaces et pures au niveau spirituel. Leurs chefs, les Magi Impénétrables, protègent les mondes forges et explorent les recoins les plus reculés de la galaxie avec leur cohorte de troupes Skitari. C'est une époque de guerre, de tragédie et de présages de malheur. À travers cette galaxie plongée dans les ténèbres, l'Adeptus Mechanicus fait partie des dernières défenses de l'humanité contre un nouvel âge sombre, à moins qu'ils en accélèrent la naissance. Un écho dans la noosphère, Magos. Une ancienne transmission, perdue dans le warp jusqu'à aujourd'hui. Faustinus. Elle est digne de notre attention, la grande faille est apparue. Les ressources de l'Adeptus Mechanicus s'amenuisent. Nous sommes plus faibles que jamais. Bien que l'Imperium ne le sache pas, cela représente une clé inconnue, mais possible de la victoire. Une occasion de recherche, pour éviter peut-être le destin funeste qui nous attend. Sylva Tenebris est à l'origine de la transmission, une partie de la Missus Solaris située dans l'Ultramar Segmentum. Fouillez les parchemins, Aditus, rassemblez-les. 4 mois plus tard. Magos Reshak. À
celui qui trouvera cette transmission et me suivra dans cet endroit, soyez reconnaissant de voir tout ce que j'ai vu. Mais méfiez-vous, chercheurs de connaissances, ceux qui se trouvent sous la surface de ce monde, je crains, j'espère, l'avoir réveillé. J'ai rejoint ce monde pour examiner ses ruines, mais j'ai trouvé bien plus, oui, des terreurs, des menaces qui pèsent sur le corps et l'âme. Mais par l'omnicia, j'ai trouvé ces merveilles. Il s'agit de la dernière transmission de Magos Reshak. Il a disparu au cours d'une mission d'exploration dont l'objectif était d'étudier les structures xéno sur Sylva Tenebris. Hypothèse. Skyvola. Hypothèse. Il a trouvé quelque chose. Faustinus. Notre mission sur ce monde est de nous assurer de la présence xéno et le cas échéant de l'éliminer en tant que menace pour l'Imperium. L'ouverture de la grande séparation signifie que nous ne pouvons faire appel à aucun renfort supplémentaire du monde Forge. Nous devons y parvenir avec les troupes et les ressources à notre disposition. Analyse, avantage. Paix pour secteur. Connaissance de l'humanité. +++, potentiel. +++, opportunité. L'occasion de détruire les œuvres xéno. Videx. Alors lui, ça doit être... Vous voyez, il ressemble bien à un inquisiteur. Hein. L'occasion de détruire les œuvres xéno, Skyvola. Pas de se les approprier. Manuscrit Temi... Siran, verset C-119, abattez ce que l'ennemi a construit, car pour nous, son œuvre est comme une maison de sable et de lames. Maggie, nous approchons des coordonnées cibles. Synchronisation. Requête warp. Fuite d'huile sur l'aile. Tempête warp au niveau delta, attachez vos ceintures. Signalement d'une tempête warp couvrant toute la longueur de la galaxie, louez l'Omnicia pour notre protection. Dysfonctionnement des systèmes. Castellan... Je peux plus tout lire. Alors, Sylva Tenebris. Coordonnées. Ok. Bon à savoir si on veut aller en balade. Ah, les vaisseaux de l'Adeptus Titanicus. C'est pas les mêmes hein, que ceux des Space Marines. Il y a pas de cathédrale là. Hein. La voilà, climat tempéré, normes d'atmosphère respirable. Mes troupes Skitari devraient pas être en mesure d'y opérer sans problème. Faustinus, sont-ils prêts à atterrir? Kefra, dès que notre orbite sera stable, Magos. Reditus, le dossier de l'administrateur indique la présence d'une seule colonie. Saint Eckhart Hope, sur la surface à proximité des ruines xéno. Aucun contact n'a été enregistré depuis 2 siècles. La colonie a supposément échoué. Alors les colonies, c'est peut-être une, ça doit être une colonie de l'Adeptus Mechanicus. Ce qu'il faut savoir, c'est quand l'Adeptus Titanicus a rejoint l'Imperium, plus de 50 vaisseaux ont été construits pour créer des mondes forges. Et ils ont été balancés dans le warp dans toutes les directions, pour s'installer et commencer à créer des mondes forges pour la défense de l'Empire et pour l'expansion. Tout comme quand l'Empereur est arrivé pour la première fois au pouvoir, il a fait 2 choses. Il a dit la vraie parole de l'Empereur, c'est-à-dire qu'il a décidé qu'il n'y aurait plus jamais de culte à quoi que ce soit. Plus de religion. La religion, il dit que c'est le mal. Et toute religion... est inutile si jamais on peut considérer la logique et l'analyse et le libre arbitre de penser quoi. Enfin non, pas le libre arbitre, c'est le meilleur moyen vers le chaos. Mais la logique simplement. Et donc quand il a fait ça, il a banni tous les cultes de tous les mondes. Et c'est pour ça qu'il a commencé une grande purge pour éradiquer tous les cultes de partout. Et l'Adeptus Mechanicus, c'est un culte. C'est le culte de la machine. Et quand il est arrivé sur son premier monde à purifier, c'était le monde Forge de Mars. Le premier monde de l'Adeptus Mechanicus, son premier monde Forge. Et quand il est arrivé là-bas, ils l'ont pris pour un dieu. Ils l'ont pris pour l'incarnation du dieu de la machine, parce que ça répondait à certaines prophéties. Et quand l'Empereur est arrivé, il a touché une machine, et la machine s'est réparée. Et du coup, c'était les signes, et ils étaient tous... Voilà, ils ont relu les écritures, ils ont vu que tout collait, un homme qui arriverait habillé nimbé d'or et de flammes, voilà, c'était l'empereur, quoi. Et du coup, le culte de la machine pense que c'est l'incarnation du dieu machine sur Terre, sous forme humaine,
et que donc, bah voilà, il fallait qu'ils s'allient. Alors que bon, le culte de la machine a combattu les Terriens depuis, a fait des raids sur Terre pour récupérer des vieilles technologies durant la période des guerres de Terra. Voilà, c'était ces deux races à part, hein, c'est vraiment deux groupes à part d'humains. Mais là, ils l'ont accepté. Et l'empereur, en voyant les technologies, il s'est dit, je ne vais pas pouvoir coloniser cette planète par la force. Parce que la technologie du culte de la machine est terriblement puissant. Pourquoi? Parce que faut pas oublier une chose, hein, le culte de la machine, c'est ils avaient d'immenses titans. Les titans du culte de la machine, c'est quand même pas rien sur un champ de bataille. Il s'est dit, sur une planète, il y a une force incroyable de technologie, il nous la faut. Il nous la faut pour pouvoir répandre la parole de ma parole sur tous les univers. Donc il a accepté le culte de la machine et il a levé l'interdiction que pour eux par rapport à leur religion. C'est la seule qui est tolérée, le culte de la machine. Et du coup voilà. Donc ils se sont alliés et pendant toute la période entre l'accession au trône de l'empereur jusqu'à l'hérésie d'Horus, où là le chaos a perverti des Space Marines et des cultes de la machine, entre ces deux périodes, ils étaient qu'alliés. Mais après cette période, ceux qui ont fait scission, c'est-à-dire les Space Marines qui sont alliés au chaos et le culte de la machine qui s'est allié au chaos et qui est parti, bah ceux qui sont restés et qui croyaient toujours à la parole de l'empereur sont complètement été absorbés par l'Impérium de l'humanité et en font complètement partie maintenant. Ils ont toujours le culte de la machine parce qu'il est autorisé, mais voilà, ils sont intégrés à l'Empire. Et il y a même certains membres du culte de la machine qui ne croient plus en la machine, qui croient simplement en la logique. Et donc qui sont bah, comme les gens de l'empereur, quoi. En fait, ça a fait trois groupes. Ça a fait ceux qui sont toujours à fond dans le culte, un qui sont, dirons-nous, athées, et puis un troisième qui est bah, qui a été corrompu par le chaos. Qui a été corrompu souvent en échange de connaissances perdues sur des mondes qui ont été dominés par le chaos. Et c'est comme ça qu'ils ont eu le grand archiviste de l'époque, le premier, je sais plus, ça a un nom hein, chez le culte de la machine, le grand chef. Le grand chef a trahi l'Empire. Et c'est son second qui a décidé de se battre contre son chef et rejoindre l'empereur. Voilà. Mais maintenant, le culte de la machine est complètement dans l'Impérium de l'humanité. Alors, les dossiers de l'administrateur indiquent la présence d'une seule colonie. Et oui, donc ces cinquantaines de vaisseaux qu'ils ont envoyés dans tous les coins, ça a fait des mondes forges. Donc là, perdre un vaisseau colonie sur cette planète, sans avoir un monde forge qui a été créé, c'est une belle perte quand même, hein. Les Skitari se déploient à la surface près des ruines avec une équipe de Tech Priest, sous mon commandement direct. Je les surveillerai à partir du trône de commande situé à bord. Le Servo Skull Reditus sera mes yeux à la surface, nous atterrissons immédiatement. Kefra, oui Magos, je vais mettre en place un poste de commandement avancé. La transmission de Réchac semble provenir de sous terre. Nous assurerons les entrées de la structure souterraine afin que vos Tech Priest puissent commencer leur exploration. Alors, on a découvert un secteur apparemment, le secteur Agrolek. Localisé. Ce tombeau dégage une odeur fétide d'antiquité poussiéreuse. Son architecture jadis austère est désormais jonchée de débris et oxydée par les années. Par endroits, les fissures dans la structure laissent filtrer une faible lumière à travers les morceaux manquants et le métal terni. Ce tombeau était jadis brutaliste et oppressant, comme s'il avait été conçu pour briser l'esprit de ses habitants. Il n'est pas moins intimidant de nos jours, mais au lieu de rappeler une intelligence dominatrice et sans pitié, il n'est plus qu'un symbole de mort et de déclin. Cet endroit semble abandonné de prime abord, mais tandis que les troupes d'exploration se déploient dans les couloirs calfeutrés, la poussière se met à s'agiter et les formes mortes depuis des éons reprennent un simulacre de vie. D'après nos informations fragmentaires, cet endroit ressemble à un tombeau enfoui. L'épée d'Omnicia est alors prête à tomber. Déployons nos forces immédiatement. L'Omnicia, c'est l'Omni-Messie, hein. C'est l'empereur. Que les secrets de ce monde égalent zéro. Je vous conseille d'être prudent, Mafogos Faustinus. Notre objectif serait de détruire la menace des Xénos, pas de se prélasser dans son blasphème. Aphorisme des saints logiques 7.9.1. Enfin, 7.91. En présence des Xénos repose le miasme invisible de la corruption. Il va me plaire ce jeu, hein, je vous le dis tout de suite, il va me plaire.
La destruction est impossible d'orbite, Videx. La structure est enterrée trop profondément. Escape, voilà, je n'ai pas l'intention de piller les babioles que je trouverai dans cet endroit. Alors, ce qui est marrant, c'est que Videx, lui, il aurait été d'accord pour une destruction depuis l'orbite. Hein. Et l'autre qui veut étudier, c'est bien, ça fait un certain équilibre entre un de nos alliés qui veut étudier et l'autre qui veut détruire. Alors, l'unité d'explorateur Tech Priest est à l'intérieur du tombeau et prête à agir. Magos, nous avons aucune idée de ce qui nous attend. Nos hommes vont s'occuper du périmètre au cas où l'un imprévu surviendrait. Ok. Ce serait pure folie que d'envoyer l'ensemble de nos troupes dans l'inconnu, surtout compte tenu de la fragilité du moral des Skitari. J'ai le plus grand respect pour les Skitari, mais ils sont encore loin de l'ascension caractéristique d'un Tech Priest. Je suis d'accord, Subdominus. Je vais prendre personnellement la tête de cette mission depuis le trône de commandement. Servo Skull Reditus sera mes yeux et mes oreilles au sol. Omnicia soit loué, allons-y. Alors un Tech Priest, d'un point de vue puissance, c'est légèrement moins puissant qu'un Space Marine. Entre guillemets. Hein, les Space Marines de base, comparé à un Tech Priest avancé, y a pas de comparaison quand même. Hein. Le Tech Priest est plus puissant, c'est clair, parce qu'il a la technologie, s'il a tout son matos, tu oublies. Les Space Marines à côté font pas le figure, simplement avec leur bolter et puis leur armure. Voilà, faut pas comparer ce qui est pas comparable. Mais à côté de ça, les Space Marines, en général, ont la logistique, ont tout ce qu'il faut, c'est plus facile d'entretien, et j'en passe. Bon, on verra bien. Mais par contre, les unités de base des technoprêtres, les serviteurs, les trucs comme ça, c'est vraiment de la bouse. C'est moins fort qu'un garde impérial. Ou à la limite, c'est aussi fort qu'un garde impérial, ce qui veut dire vraiment faible. Mais bon, ils ont tout le côté logistique derrière, hein, et ça, ils sont très 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 forts. Alors, hop, on y go. L'Adeptus Mechanicus est une race curieuse, ils explorent et interagissent avec les machines qu'ils ne comprennent pas entièrement. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie se perd. Hein. En fait, plus ça a avancé, le culte de la machine, plus c'est devenu un culte, justement. Les choses sont devenues mythiques ça devient vraiment une croyance plus que de la science à l'état brut. Bien qu'ils soient super forts, hein, attention, je dis pas qu'ils sont pas super forts, mais ils ont oublié beaucoup des sciences qu'ils utilisent encore, même pour le trône d'or de l'empereur. Ils l'utilisent, ils le réparent, ils le maintiennent en état, mais la plupart des technologies, voilà, je suis pas sûr qu'ils les connaissent encore. Alors, dans ce didacticiel, vous allez explorer l'interface pour découvrir ce que vous pouvez faire. Comme un véritable tech priest, vous devrez expérimenter pour apprendre. Très bien. Nous allons vous aider, mais juste cette fois, clic gauche sur la salle adjacente pour vous déplacer. Ok, alors on va regarder un peu les trucs. J'ai regardé le machin sur Steam pour savoir un peu comment fonctionnait l'interface. Donc là, on a l'initiative. Donc là, elle est au milieu, donc on n'a pas d'avantage, pas d'inconvénient. Si on a un avantage, ben, on aura l'init plus souvent au combat et ce genre de choses. Ici, on a les quantiques, donc on n'en a pas encore. On a nos unités. Et vous voyez, pour les déployer, il faut des points en dessous. Ce qu'on n'a pas, c'est des points de connaissance. Voilà. Et on a les points de vie, les points d'armure de nos unités. Donc on peut voir que les serviteurs ont 5 points de vie, 12, voilà. Ça, ce sera durant la partie combat. Sinon, ça ressemble beaucoup à un roguelite. En fait, il y aura pas mal de points communs, je pense, avec Invisible Link, point de vue stratégie. Et point de vue roguelite, bah, de tous les roguelites, on avance d'une case, on trouve un événement, on doit faire des choix. Et bon, là, c'est qu'une ligne, hein, vous voyez. Donc on n'aura pas vraiment le choix pour cette première mission qu'est le didacticiel, mais ça nous montre un peu des événements, les trucs à gérer. Et ça veut dire qu'il y a une grosse rejouabilité pour le titre, et donc qu'on va pas pouvoir développer tout, de tous nos gars. Ça va être un peu aléatoire selon les choix qu'on va faire, et ce qui va nous amener à la fin d'un run. Voilà. Donc c'est parti pour notre première salle. Ces hiéroglyphes Zeno, je les reconnais. Ce sont mes bourreaux. Les Nécrons, mystérieux, érudits, corrompus. Nous avons probablement affaire à une collection rare d'écrits Nécrons. Magos, récupérer les données de cet obélisque pourrait faire grandement progresser notre compréhension de ce langage pour la première fois depuis des siècles. Ceci est l'œuvre d'une civilisation extraterrestre, Magos. Codex Fulminatus 8312. Faites preuve de prudence et de mépris en toute chose. Prudence et mépris, très bien.
Parfois, les tech-priests enverront les informations importantes concernant ce qu'ils rencontrent dans une salle. Sachant que vous êtes notre commandant, les situations vous obligeront à prendre des décisions. Chaque décision aura des conséquences. Alors choisissez judicieusement. Alors, devant nous se trouve un objet en forme d'obélisque recouvert de ce que nous pourrions appeler des hiéroglyphes. Il atteint presque la hauteur du plafond de cette chambre. Alors, on peut le ravager. Parce que c'est un monument xéno et qu'on doit le détruire. On peut le sécuriser. Chercher des signes de danger potentiel dans les chambres voisines. Ou on peut l'étudier avec soin. Examiner les inscriptions sur l'obélisque. Oh, je sais pas. Alors, l'étudier, évidemment, ça nous donnerait peut-être des infos de l'init, de la map. Voilà, hein, on peut imaginer les gains qu'on peut avoir. Sécuriser, on pourrait voir les ennemis, peut-être. Le ravager, peut-être qu'on pourrait récupérer du matos. On va faire ça. Détectons un gigantesque pic d'énergie provenant de l'intérieur du tombeau. Il se passe quelque chose d'énorme. Présence de noctilite détectée, aussi connue sous le nom de pierre noire. Récupération immédiate requise. Ok. Eh ben, c'est pas mal. La cohorte se met à placer des charges explosives sur l'obélisque tandis qu'il s'ouvre sans griller gare. Un nuage de particules exotiques envahit la chambre. Pourquoi j'ai l'impression que si jamais on avait fait d'autres choix, ce serait exactement pareil? Parce qu'il s'est ouvert avant qu'on fasse exploser le truc, hein. Donc on aurait peut-être dû le lire, les hiéroglyphes. On saura jamais. Mais vu que c'est le didacticiel, je pense que quel que soit notre choix, on peut pas vraiment se planter. Alors là, il y a rien. Ah, il y avait un point d'exclamation, ok. Alors, pourquoi je dis ça ressemble un peu à Invisible Link, vous le verrez. Là, il n'y a pas. Mais normalement, à chaque fois qu'on se déplace d'une case, ça augmente un compteur. Et donc, à chaque fois, ça augmente la difficulté du jeu au fur et à mesure qu'on prend du temps pour faire les choses. Alors, des nécrons, Réchac est tombé dessus en fin de compte. Pas étonnant qu'il n'ait jamais pu fuir cette planète. Nos données indiquent qu'ils sont aussi mortels qu'inhumains. Alors, la cohorte se heurte un peu de résistance sous forme de construction xéno. Pas de créatures de chair et de sang, mais de corps artificiels agissant avec précision et coordination. Donc, suivez les protocoles de bataille établis, tout doit se faire dans les règles. Croisade. Posture agressive des tech-priests leur évite de se retrouver submergés, mais les conduit à foncer tête baissée dans une zone de tir ennemi. Prudence. Faites preuve d'une extrême prudence, ne chargez pas sans réfléchir, ou les subterfuges et les extraterrestres seront notre perte. Donc là, on va dire que 60% des gens vont choisir la puissance. La moitié vont choisir la cohérence et puis les gros bourrins ils vont choisir la croisade. Je ferais bien la croisade parce que j'aime bien une posture offensive dans mes stratégies, mais j'aime bien aussi la prudence de temps en temps. Avec des tech priests, je suis pas convaincu que foncer sera bon. Avec des space marines, j'aurais pas hésité. On va y aller en prudence. On fait le choix classique. On a déjà essayé de détruire des trucs, on a vu que ça n'a rien fait. On va y aller un peu plus cool. Une avancée lente permet à l'ennemi la possibilité de tendre une embuscade aux forces de l'Adeptus Mechanicus. Donc vous voyez, on a été lentement et du coup ils nous tendent une embuscade. Guerrier Nécron. Confirmé. Les cogitateurs de Réditus fonctionnent désormais pour les formes synthétiques. Exaltation écrasante. Enfin, nous pouvons étudier ce construction standard. Warrior Nécron. Point faible détecté. Au plus aucun... égal inquiétant. J'aime bien elle. Je m'interroge sur les symboles inscrits sur leur torse. Ils doivent ne pas sous-estimer armement gauss hautement explosif. C'est vrai, j'ai entendu dire que nos frères et sœurs du Mechanicus ont perdu leur vie en essayant de résoudre les mystères de ces armes xéno. Approchez avec prudence. Il est également, double vérification des cogitateurs, largement connu qu'ils sont capables de plus réanimation, auto-réparation ou reconstruction. Si nous leur laissons le temps de le faire, des blessures qui tueraient un skitari instantanément sont l'équivalent d'une écorchure de classe C pour les nécrons. Ok. Ouais, tu as quelque chose à me dire, Réditus? Non, il a rien à me dire, ok. Ah si c'est pour rien me dire. Au début de chaque combat, vous devez choisir la position de vos unités sur le champ de bataille, machin, ok. Alors, on a l'init avec Apprenti Jérémia. Qu'est-ce qu'il a, Apprenti Jérémia? Il a un Macro Stubber. Magos Manarius. Écoutez, on a dit qu'on faisait une approche prudente, donc on va faire genre un truc... on va se mettre devant là.
Alors je sais pas de combien il se déplace lui. C'est marqué quelque part le mouvement? Parce que ce que j'aimerais c'est pouvoir atteindre l'objet pour récupérer le point. En fait on récupère des points de... Vous voyez de machin là. Et ça nous permet de faire des actions après avec ces fameux points de connaissance. Donc il faut qu'on ait le mouvement pour ça. Par contre, je sais pas du tout le mouvement de notre unité. Non, c'est pas marqué, hein. Dommage. Bah écoutez, on va se mettre à 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire. Allez, 7, 8. Si on se met trop loin et qu'on peut rien faire, on va être dégoûté. Cela dit, on pourrait se mettre à 6 de lui. Ouais, allez, on va se mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En espérant qu'on soit assez loin de l'ennemi pour pas qu'il nous tire dessus. Et l'autre, on va le déployer de ce côté et on va le mettre à 6. Alors, 1, 2. Est-ce que la diagonale marche ou est-ce qu'il fait ça? Ah ah. No sé. Eh ben, on va le mettre derrière. Tout ça, il sera peut-être caché. Parce que c'est peut-être un mur. Il est assez proche. On va tester ça et puis on verra. On a pas beaucoup d'infos au début, hein, donc on fait avec ce qu'on a. Pour déplacer une unité, faites un clic gauche dans la zone bleue qui entoure votre unité. Ah, regardez, on la rate de 1. C'est 7 le mouvement, il se fout de moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, 6. Je me suis mis à 7, d'accord. Donc j'ai eu l'init, mais je suis trop loin. Et je suis trop loin là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir ici. Ah, je peux pas tirer. Ça a quoi comme portée? Ah, mais on a ça. Alors, Servoskull. Crâne d'invité, le serviteur de l'amnistia appelé pour devenir un compagnon utile. Chaque prêtre possède son Servoskull. Ok. Servoskulls sont très utiles en combat pour la collecte des points de connaissance. Sélectionnez un ennemi pour découvrir les caractéristiques. Ok, et je peux faire quoi? Je peux faire les deux. Révéler les stats. Collecter un point de connaissance. Ok. On va prendre ce point de connaissance là-bas. Oh, et avec les points de connaissance, je peux refaire un mouvement si je veux. D'accord, bon, c'est intéressant. On va faire ça comme mouvement. J'ai pas de cible. Ok, pas de cible. Eh ben, fais le tour. Ok, donc il m'a allumé à l'autre bout du monde. Ah ouais, donc ça protège rien du tout, ça. Dommage. Ouais, je suis déçu, j'avoue. Donc, on va se mettre juste à côté de ce truc. Ok, donc on vient de gagner les points de connaissance. Mince. Je vais passer assez vite le didacticiel, hein. Tout ce qui n'est pas histoire... Ouais, on s'en fout. Ce que tu me racontes. Ça fait quoi ça? Phosphore, Serpenta, 6 à 8 de dégâts, ça coûte 2. Il n'y a pas de jet de toucher, hein, c'est automatique. Donc là, on est passé à côté, on va utiliser notre Servoskull là-bas. On peut l'utiliser pour analyser la cible, mais je pense que lui tirer dessus et la descendre, c'est tout ce qui nous importe. Donc l'analyser, on s'en tape. Les Servoskulls révèlent les gars. Vous pouvez ensuite décider quel type d'arme sera le plus efficace. Ah, ok. On n'a pas 10 000 types d'armes, donc scanner ne servira pas plus que ça. On fait 2 à 4. On n'a plus de points là. Il va nous retirer dessus, hein, si on se remet là. Donc en fait, il faudrait qu'on utilise notre point pour se barrer. Ce qui va... Oh, renfort. Oh, renfort. Et puis il va se réveiller lui, donc faut l'achever aussi. On pourrait aller à côté de lui et l'achever. À coup de hache. Mais du coup, on va se faire tirer dessus? Non. C'est qui agit après? C'est lui qui agit après. Et ensuite lui. Ok. Lui va agir avant lui. Donc lui, on pourra venir là et achever lui. Donc on peut reculer lui. On va le reculer avec le point qu'on a en trop. Genre là. Ouais, mais là, il va nous tirer dessus quand même. Allez, on espère qu'on est assez loin. Bon,
Ok, donc on a regagné les points de compétence. Là, il essaye de se régénérer et on va aller l'achever. Par contre, c'est lui qui va prendre le tir du coup. Alors attendez, on va l'avancer. Vous voyez le petit icône qui apparaît sur l'ennemi? De là, on peut lui tirer dessus. Donc, vu que notre arme fait de 2 à 4 et qu'elle a l'air nulle, on l'achève. Mais elle coûte rien à tirer. Contrairement à l'autre qui coûte peut-être 2 points de connaissance. Ok, en gros, il a téléporté son écran. Alors, ce qu'on peut faire, c'est simplement d'avancer et de continuer, ou alors d'utiliser notre cerveau skull. Si je fais ça, je dépense un point pour un point. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller me prendre une tartouille là-bas. Par contre, je peux reculer mon gars, en espérant qu'il n'ait pas le mouvement. Mais on pourra pas tirer avec l'autre parce que l'autre, je vais utiliser le cerveau. Quoique, je vais me rapprocher. Ouais, dans le doute, faudrait que je reste sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je sais pas trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est bien en carré. On peut pas passer en diagonale. Donc lui, il pourra pas non plus. À moins que. Si je fais ça, c'est 1. Il passe en diagonale là. Mais il passe pas en diagonale là parce qu'il y a un objet qui le gêne. Ok, donc la diagonale est possible. Mais seulement s'il n'y a rien là et rien là. D'accord. Donc lui, il pourra, pour 6, se mettre à côté de là. Récupérer avec le cerveau skull un deuxième et tirer avec son patator. Donc en fait, je peux utiliser ce point pour me cacher. Et espérer qu'il n'ait pas la portée sur lui. Il n'a pas tiré, ok. Et là, eh ben, je me suis planté. Dommage. J'aurais cru, franchement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en diagonale. Eh ben, il n'est pas passé en diagonale. Donc, ouais. C'était bizarre parce que d'ici à là, ça coûtait que 1 pourtant, il me mettait. Bon, bah tant pis, je me suis foiré. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut même pas utiliser le cerveau skull. C'est problématique, il nous met les machins. Alors le but c'est de s'éloigner le plus possible de lui sans utiliser le point, bien sûr, sinon c'est idiot. Parfait. Et là il faut qu'on s'approche le plus de lui pour pouvoir lui tirer dessus. Et là, on ne peut pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer là. Pour prendre ce point. Ok. Cerveau squelé le second. Ça nous en fait 3. On se déplace de 1 à côté de lui. Ah, on peut pas lui donner un coup de hache, dommage. On se déplace pas loin. Et on le canarde. Bon, on s'est fait blesser, mais parce que je connais pas les portées, je connais pas les mouvements. Évidemment, hein, si j'avais fait un tout petit peu plus attention, on aurait pu l'avoir sans avoir à se prendre de dégâts. Bon, ouais, on débute. Alors, toute forme de vie Xeno éliminée. Hop. Vos cohortes conservent leur HP après chaque combat d'une mission. Gardez ceci à l'esprit lorsque vous explosez un tombeau et cherchez n'importe quelle occasion de les réparer. Je sais pas si vous avez vu, mais on garde les points de connaissance. Et les points de connaissance, je pense, c'est pour pouvoir appeler ceux-là dès le début de la bataille. On peut les dépenser, j'imagine. Du coup, il vaut mieux les gratter durant la partie. Ok, allez, on avance. Hop. Donc là, on est parti pour s'amuser. Hein. Les technoprises peuvent être renommées, je crois. Donc on le fera. On mettra les noms de vieux routards de Warhammer. Ceux qui suivent le let's play et qui aiment bien Warhammer 40 000, hein, je mettrai des noms sur les technoprises. Je tirerai au hasard dans les commentaires.
Alors, sarcophage, cercueil, chambre funéraire, désignation structurelle, tombe. Alors, dans les chambres se trouvent plusieurs séries de structures ressemblant à des cercueils fabriqués dans des matériaux inconnus. Alors, curiosité. S'assurer d'examiner l'environnement avec soin, des captures d'images, des écritures détaillées pourraient être la clé du succès. Ne pas vous attarder à observer l'artisanat extraterrestre, continuez en évitant de vous faire distraire. Mise à feu. S'assurer de détruire toute structure suspecte, il vaut mieux retarder notre avancée pour causer du tort à ces abominations xéno. Mise à feu. Ok, on a gagné 2 points de connaissance et on a gagné 150 bordels. Les techpristes offrent le feu sur les sarcophages, ces structures s'avèrent imperméables aux petites armes à feu. Mais de petites quantités de ces étranges matériaux nécrons sont arrachées et peuvent être récupérées par la cohorte à ses fins d'études et de reconditionnement. Très bien, on a arraché 150. Ça me plaît. Alors attendez, j'espère que j'ai un. Ah, mais avec les flèches, on peut bouger l'écran. Très bien. Après plusieurs minutes d'exploration de la chambre, une dalle sous vos pieds émet un cliquetis. Un ronronnement trahit la présence d'une énergie entourant vos troupes. Un scan omnispex rapide vous informe que vous êtes cerné par les formes de vie xéno. Ok. Tuez tous les ennemis. Deux guerriers xéno, d'accord. On peut déployer nos serviteurs. On a 3 points. On va cliquer sur un et voir si ça déploie. C'est bien ça. Ça nous bouffe un point. Je fais ça. 2 points. Oui, il clignote. Okay, il est où lui? Lui, c'est le petit flingue, hein. Ouais, c'est le tout petit flingue. Ce qui est bien pratique pour achever, mais en fait j'ai envie de prendre ces 3 points-là. On va le mettre ici. Et le gros avec son patator de l'espace là, on va le mettre par là-bas. On va se sortir un troisième serviteur. Voilà, les deux serviteurs protégeront lui. Ce sera eux notre couvert entre guillemets. C'est les serviteurs qui vont prendre les coups à la place de nos technopristes. Les serviteurs, je crois qu'on s'en fiche qu'ils meurent. Je crois que même que quand ils meurent, tu gagnes des points de connaissance, un truc comme ça. C'est ça. Obtenez un point de connaissance lorsqu'un ennemi vous touche. Ah non, faut pas qu'il meure. Ouais, ça va être compliqué ça. Attaque en mêlée, cible unique, 1, 2 de dégâts. Esprit de la machine, plus 3 de dégâts. L'esprit de la machine, c'est quand tu crites. Non, c'est quand tu. Au bout d'un moment, elle se charge ton arme et puis tu as l'esprit de la machine qui est en ta faveur. Pareil pour tout, hein. Esprit de la machine, immobiliser la cible. Ah, ça va. Ok. Eh ben, c'est tout ce qu'on peut. Vous voyez, on peut pas déployer celui-là, si. Ah. Point de connaissance insuffisant. Ok. Eh ben, c'est parti. Dans Mechanicus, vous contrôlez deux types d'unités, les Tech Priests. Les deux unités que vous avez déjà commandées ou les troupes, comme l'unité que vous venez de déployer sur le champ de bataille. Oui, alors sans les troupes, les tech priests tout seuls, ça serait un peu nul, hein. Mais avec les troupes, ça leur laisse le temps de faire toute leur machinerie et là c'est l'enfer. Les troupes sont vos serviteurs, votre char à canon, ils n'ont pas accès à autant d'armes et de compétences que les tech priests, ils sont cependant très utiles et ne doivent pas être négligés. Ok. Alors. Qu'est-ce que tu sais faire? Ils ont pas de capacité, ils frappent au corps à corps, ils font surtout diversion. Et ouais, c'est des créatures de corps à corps. Oui, mince, pardon, autant pour moi. Si on fonce là-bas, il va se faire carnarder, hein, c'est tout ce qui va se passer. Est-ce qu'on resterait pas par là pour le forcer à avancer? On va juste protéger lui qui protège ça, et c'est les deux là qu'on va avancer sur l'autre. J'ai pas envie que lui nous tire dessus en fait, donc on s'éloigne. On a dit approche prudente hein, sur cette mission. Si je ne m'abuse. Voilà, on va juste passer là. Par contre, celle-ci, on va rusher. On va se rapprocher le plus possible. Le plus possible, c'est quoi? C'est la portée de lui pour le méta-canon. C'est pour pouvoir les rattaquer le tour d'après. Donc en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mouvement. S'il avance pas et qu'on l'allume parce qu'on agit en premier, c'est lui. On aura les deux tech priests et le mecha qui vont agir. Ouais, mais lui agira avant nous. Lui agira avant nous parce que c'est l'apprenti qui va avoir l'init. Ah, dégoûté. Dommage pour l'apprenti. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une cible à 6 cases. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Voilà, on va aller se mettre là. Et c'est tout. Alors là, on va prendre la connaissance. Boum. On va utiliser le crâne. Révéler les stats. 6 points de vie et 2 points d'armure énergétique. Ok. On pourrait se rapprocher et tirer. Hein. Ouais, mais après on va se faire tirer dessus. On a combien de points? Il faut qu'on garde 2 points de connaissance. Donc, si je vais là et que je tire, je pourrais pas m'enfuir derrière. Quoique, est-ce qu'il y a un autre truc? Ah, dommage, je peux pas utiliser le cerveau skull. Question, est-ce que ça se tourne l'écran? Hop, contrôle. Je teste des touches. Hein. Ah non, ça se tourne pas apparemment. Bon, dommage, vu qu'on a qu'une seule source d'énergie mais qu'elle nous en donne 3, faut qu'on soit prudent sur notre utilisation. Le cerveau skull ne servira pas à récolter. Mais on aurait pu récolter ces 3 points en fait. Là-bas, s'il a autant de points de vie, on lui fera pas mal. Et ça, c'est fait quoi? Des dégâts explosifs. Je sais pas ce que fait l'autre, mais tellement il fait de dégâts, ça devrait aller pour les one-shots. On va juste aller là. Non, en fait, faut que je reste derrière quand même. Voilà, voilà, il est là. Faut que je reste derrière lui pour que ce soit lui qui prenne le coup. Bien. Ouais, donc là, on va en perdre un. On a gagné un point. Ok, quand ils se font tirer dessus, ils prennent les informations à la vitesse du projectile, d'autres informations de combat utiles qu'ils pourront utiliser plus tard contre leurs ennemis. Excellent, man. Ok, alors là, on va avancer lui pour qu'il encaisse le tir de l'autre. C'est dommage. Par contre, on va devoir les replier les deux, avancer le dernier. Mais là, on devrait pouvoir tuer celui-là au moins. Alors, on va se mettre juste à portée extrême de tir. Oh là là, le tir. Mais on peut tirer d'où on est. Quasiment. Ok, bah faisons ça alors. Comme ça on a leur point de vie, il a 6 points de vie, pareil. Déplace de 1 là. On l'allume au patator. 4 à 6 de dégâts. On fait 6-8 mais il a 2 contre l'énergie, c'est pour ça. Donc 4 à 6, bah, on le tuera pas. On fait que 5. Mais on va aller au coq. Est-ce que vous passez en combat de mêlée? Faut pas utiliser d'armes à distance, qu'elles sont trop dangereuses pour être utilisées à vos portants. Ouais, c'est pas grave. On a regagné 2 points. Il faut que je me remette à l'abri, hein, bien sûr. On n'a pas de quoi soigner nos prêtres. Hein. Alors là, on va avoir l'init ou pas? Nouveau tour, renfort. Serviteur, serviteur, serviteur. Celui-là pourra foncer, celui l'autre pourra replier. Ok. Mais on va avoir 3 points de nouveau. Donc on peut aller là, je pense. Voilà, ok. Je crois qu'on va s'en sortir sans avoir de mort. Ah, il a les renforts, d'accord, des scarabées. De quoi s'agit-il? Opportunité égale connaissance. Recueillir. Doit obtenir. Nécessaire. Scarabée détecté. Donnez source émergent. Editus. Aucune forme de vie détectée. Zone sécurisée. Poursuivez. Editus, vérifiez vos cogitateurs et dites-moi ce qui est apparu sur les cogitateurs de Magos Reshak. Des scarabes, une race xéno inconnue.
Une intelligence synthétique possède possiblement artificielle après récupération des spécimens, théorie de l'IA égale fausse. Enregistrement personnel. Des semaines d'études indiquent qu'il existe de nombreuses variantes de Scarab, chacune ayant ses propres rôles au sein de l'économie et de l'architecture des Xeno. Capables de construire et de déconstruire tout ce qu'ils rencontrent, ils sont en mesure de réparer d'autres unités au sein de leur espèce, avec une rapidité foudroyante. Sachez que les essaims sont mortels. Videx, il semble que l'esprit de la machine est avec nous. Nous avons été en mesure d'accéder à une partie des données de Reshack que nous pensions être corrompues. L'esprit de la machine nous a bénis avec l'accès à l'enregistrement de ses cogitateurs, probablement grâce au fait que nous ayons enregistré ses formes xéno. La raison pour laquelle il verrouillait par un cryptage de proximité synthétique est inconnue. Ok. Bon, espérons qu'on ait l'init. On a l'init, mais je sais pas si lui va pouvoir être assez près. Oh, à une case près, on pouvait attaquer, quoi. Ok, on va l'avancer pour qu'il tank. Celui-là, ben, on va simplement attaquer. Ou on va simplement achever l'autre. Il va sûrement se faire tuer par lui, hein. Mais bon, au moins ça éviterait qu'il se fasse réparer. On risque quand même de le perdre, hein. Ok. On a l'autre. Alors ici... du coup, on est obligé de revenir près du de la mat de connaissance. Parce que c'est quand même sympa. Et on va avancer un petit peu. N'avait pas dévoilé les statistiques de cette cible, en conséquence, le montant des dégâts est inconnu. Oui, mais tu vas pas me le dire à chaque fois que je fais ça, quand même, si? Alors, lui n'a pas d'arme de corps à corps, hein. Donc ça sert à rien de le rapprocher. On a 3 points de cogitus, là. On pourrait l'avancer, on a un de protection. Mais, parce que le scarabée va agir. Et s'il agit sur lui, il pourrait le mettre en danger. Là, je lui donne une 50-50, là... Ah, je sais pas les dégâts du scarab. Je peux pas me permettre de tenter de me faire blesser. Tant pis si on perd un serviteur, je dirais. Bon, on va pas bouger. Parce que ça me coûte des points. Lorsqu'un ennemi a tenté de quitter le combat de mêlée, et que si vous attrayez une arme de mêlée, il déclenche une attaque d'opportunité. Ah, cool. Une attaque d'opportunité accorde à votre unité une attaque de mêlée gratuite sur un ennemi. Chaque unité peut effectuer une seule attaque d'opportunité par tour. Boum. Oh, l'échec, il est passé à côté. Ah ouais, il était mauvais, lui. Ok, notre 3 points de vie. Non. Ah, il aurait pu tirer là, quand même. Bon, on a perdu un serviteur. Serviteur 1 est mort. Ne vous inquiétez pas, les troupes sont de la chair à canon conçues pour projeter vos tech priests. Sans tech priests, votre mission est sourde. Ok. Alors, combien il fait de dégâts? 2. Il a survécu. Je pensais agir avant lui. Il a pas agi, notre priest. Notre serviteur. Non, mais quelle espèce de tricheur, ce jeu. Alors, on va juste aller là. On va allumer l'autre avec notre canon énergétique. 6 de dégâts, on l'a eu. Donc là, pas de doute, on va hacher celui-là. Ouais, donc j'aurais peut-être pu sauver quand même tout le monde. Hop. 1 point de cogite. On aurait pu attendre quand même un peu avant de faire ça. Ah, allez, c'est pas grave. Alors, lorsqu'un esprit de la machine est chargé, vous obtiendrez un bonus d'attaque avec cette arme. Donc là, normalement, aucun point de connaissance. Vous voyez, il nous restait un point, mais là, l'esprit de la machine est dedans. Donc, on va l'immobiliser. On a regagné un point de connaissance là-bas. Ok, bon, on a perdu un serviteur quand même, hein, dans l'affaire. Pas cool. Je pense qu'il va y avoir un résumé à la fin de tout ce qu'on a tué, tout ce qu'on a perdu. Et c'est là où on va voir ce que ça nous coûte finalement. Alors, ouais. On a perdu un serviteur et vous voyez, les autres ne sont pas soignés, hein, pour autant. «
Alors, le symbole représente un emplacement de grande importance pour votre mission. Entrez dans ces salles, vous rapproche de l'objectif de mission. Absence de signes hostiles. Demande de permission de commencer les protocoles de récolte de données. Confirmé. Permission accordée. Bien reçu, Magos. Début du protocole. Quelles sont nos priorités, Sia? En savoir plus sur les forces Nécron, leur nombre, leur défense, leur position, toutes sortes de données sur les survivants de ce rocher. Ensuite, découvrir l'utilité de ce tombeau. Pourquoi a-t-il été construit? La plupart de leurs appareils ont subi de sévères érosions. Il y a bien un appareil qui pourrait nous livrer ses secrets, mais les données Nécron sont incompréhensibles. À l'archéothèque de l'Imperium, cela prendra du temps. Idée. Magos, permettez-moi d'aider ce prêtre, je suis sûr de pouvoir lui être utile. Ce qui est voilà. Accordé. Interface noosphérique terminée. Difficulté de déterminer son utilité. Liste de suggestions pour le Magos. Plus désassembler l'appareil. Plus activer les interrupteurs de mécanisme. Plus apprendre le langage Nécron et revenir. Qu'en décidez-vous, sire? Toujours aussi rigoureux sur la marche à suivre, Tech Inquisitor. Ouvrez le feu sur les mécanismes xéno, bien que je déteste cela, la perspective de richesse potentielle est une occasion en or. Devoir s'abaisser à recourir aux manières xéno est probablement le seul moyen de parvenir à l'archéothèque que nous recherchons. Protocole mis à jour. Confusion. Des interférences noosphériques. Vite, déconnectez-vous. Purge terminée. Réinitialisation. Déconnexion noosphérique terminée. Code restant possible. Recours à une fragmentation. Fragmentation en cours. Si nous sommes dans une situation défavorable, nous demandons une décision du Dominus. Fragmentation en cours. Expliquez-vous. Après le départ soudain du Tech Inquisitor Skyvola, mes implants ont commencé à défaillir. Mes améliorations ont entamé des protocoles sporadiques de défense et ont grillé mon système de survie. Rapport de l'étendue des dégâts impossible à déterminer. L'appareil Nécron vient d'être activé, sire. Fragmentation en cours. Fragmentation en cours. Fragmentation en cours. Débranchez-vous de la noosphère, Skyvola. Réditue ce rapport. Le tombeau est en train de s'éveiller, sire. Nous recevons des rapports sur la présence de cohortes Skitari sur la planète, mais les secousses rendent leur localisation difficile. Nous avons perdu contact avec les Skitari à l'entrée du tombeau. Nous entendons des bruits de troupes en approche. Protocole de consolidation de nos défenses. Chargez vos armes et préparez-vous à les recevoir. Nous allons devoir affronter les Xeno. Akrolek. Le moment est-il réellement venu? Ok. Je me réveille après des ondes, pourtant les étoiles brillent encore, pourtant ma vie fourmille encore, ok. Par les trônes de Mars, qu'est-ce que c'était? Une transmission universelle, Magos. On dirait que les constructions muettes ne sont pas les seules à résider à l'intérieur de cette structure. Qu'est-ce que c'est? Chair et acier combinés, une parole de deux. Chacun de leurs pas ici est un blasphème. Dans quelle galaxie me suis-je éveillé? Forme de vie xéno principale détectée. Des signatures énergétiques exotiques sont parvenues à portée de nos capteurs. Désignation xéno abominatus. Type de grande valeur confirmée. Que la chasse commence. Quels sont vos ordres, Magus? Tenez vos positions. Exterminez la souillure xéno avec notre fureur vertueuse. Retraite. Retirons-nous, amenez les techpristes à l'abri. Capturez. Confirmez le xéno. Confinez le xéno et retournez à Caestus Metallica. Indemne, pour le disséquer et l'étudier. Alors attendez, on va lire le texte avant parce que... La cohorte atteint une chambre de taille respectable sous les premières strates de ruines xéno. Des pompes se dressent à l'extrémité de la plateforme en équilibre, tenant à peine debout, et des gravats tombent de grands chemins comme des miettes de pain, gagnant les abysses qui les attendent en bas. Non, ouais, je sais pas, capturer ça peut être sympa, mais capturer un écran, je pense pas que ce soit une excellente idée. Hein. La retraite pourrait être prudente. Et tenir les positions alors qu'on sait pas ce qu'on combat, hein, ouais, pourquoi pas. Alors, exterminer la souillure xéno avec notre fureur vertueuse. De toute façon, il voulait qu'on explore, et là c'est un boss. Non, je pense qu'on va se replier. Je suis d'accord, Magos, mais je crains que nos nouveaux ennemis ne nous laissent pas nous retirer. Cette galaxie fourmine de vermine. Ok. Bon, je crois qu'il n'y avait pas de choix, hein, c'est un didacticiel, mais c'est marrant de voir qu'il nous force à faire le combat, finalement. Eh, l'objectif, c'est de fuir, hein. Notez bien.
Voici la bataille finale du tutoriel. Appliquez ce que vous avez appris jusqu'à présent et faites tout votre possible pour remporter la victoire. 41e millénaire est un endroit cruel, vous risquez de perdre cette bataille, mais pas la guerre. Dans ce mécanique, il y a nombreux chemins à découvrir. Ouais, ça a l'air d'être le cas. Bon, par contre, vivement qu'on ait d'autres fonctionnalités ou d'armes, parce que là, on voit qu'il y en a qui ont des armes de merde. Alors, on va mettre un tech priest pour qu'il aille prendre ces points-là. C'est quoi ces trucs rouges? Ah, c'est des endroits où peuvent popper les nécrons, ça. Ok. Il y a plein de points partout. Ouais, on va déployer nos serviteurs devant avec Patator. Patator. Et lui, il va faire les à côté. Enfin, de l'autre côté, il y en a, mais on les prendra avec les servoscales. Ouais, ben, de toute façon, c'est pas comme si on avait 10 000 choix. On a que 2 points. Ok, par contre, ils ont bien les nids, les petits pères. Hein. Si je m'avance trop... Ouh, mais il y a un... Il y a un destroyer. Un destroyer, un écran, et puis des trucs. Ok. Eh ben... Si j'avance tout droit comme ça, il va se faire allumer, non? Oui, mais mince. Tu m'embêtes, maintenant. Ouais, c'est pas grave. On va pouvoir faire des dégâts aussi, hein. Puis ça va nous donner des points de réfléchissement, là. Alors, on va choper de la connaissance. Alors, on peut s'arrêter que là, en fait. Alors, attendez, hop. Ah oui, mais non. Ok, on prend ça. On peut avancer là, drainer celui-là. Avancer là, tirer. Mais j'ai peur qu'il y ait des nécrons qui nous pop dessus. Donc on va le laisser cacher là, notre être. On va quand même aller drainer un autre pilier. Carrément de l'autre côté. Voilà, et c'est pas dur de fuir avec les technoprêtres. En fait, c'est nos ptios qui risquent de pas pouvoir fuir. Parce que les technos, avec les points de connaissance, on peut les utiliser en un tour et faire 5 mouvements, quoi. J'ai passé 1000 ans à naviguer dans le vide, j'ai combattu dans la guerre céleste. Comment parviendrez-vous à effrayer quelqu'un comme moi? C'est pas notre objectif de t'effrayer, je crois. Mais te tuer, par contre. Ok, il a une lance. C'est un corps à corps. Et il nous a one-shot le... Ok. Et il bloque le passage. Donc j'aurais dû l'avancer que de 4 et ça aurait été bon. Mais là, on va pouvoir l'attaquer. On connaît pas ses stats, mais bon. Je crois qu'il va falloir tout balancer. Hein. C'est quoi l'objectif? Les tech prêts doivent fuir. Explorer le tombeau Xeno. Ouais, bon, on l'a exploré. Hein. On est même dans la cata maintenant. Ok, alors... si je fais une analyse, je pourrais pas tirer au Patator. Donc on va... Quoique, si, on peut. On va servir vos skulls en premier. 40 points de vie, 5 d'armure. Bon. On a bien compris, hein. C'est un nono. Non. Non. On ne combat pas ce truc-là. On ne doit pas combattre ce truc. 40 points de vie, c'est pas possible. Là, je leur ai mis 6 à 8 net. Hein. Mais je pense pas qu'on puisse le tuer, ce machin. C'est pas... Ça paraît peu probable. Hop, voilà. On récupère un deuxième point. Hop, et on peut tirer sur celui-là. Il a explosé. Notre serviteur va nous faire gagner un peu de temps. Là, non, et on n'a plus de points de connaissance, donc fin de tour. Ouais, donc s'arrêter à côté des piliers, c'est vachement bien. Hein. Donc
pouvez tout invoquer les autres membres de la cohorte au cours du combat. Vous pouvez faire au début de chaque tour. Déployer des troupes nécessite une certaine quantité de points de connaissance. Ok, on va invoquer lui là. J'aurais dû envoyer les deux du même côté. On n'aurait pas eu à combattre deux nécrons mais un seul. C'est pas grave, maintenant qu'on est parti, bah, je vais lui envoyer lui en support. Et c'est à nous de jouer. Et ben qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas donner envoyer le cerveau crâne, on va juste aller récupérer ça. Franchement je repartirais bien par là-bas. Vous savez quoi? On va pas se prendre la tête, on va le faire. Ce qui est dommage c'est que si j'avais pu rebouger, j'aurais pu rebouger une fois de plus, juste derrière. Va pas nous empêcher d'allumer lui. Ah, si on peut pas. Ok, dommage. Amiral du vide de Sgarial. Set de dégâts. Ok. On va aller par là, essayer d'attirer son attention. Ici. Oh, il est par terre, hein, donc il pose pas de problème. On va aller lui mettre un coup de hache. Un point de connaissance de plus qu'on peut utiliser pour bouger là. Peut-être un autre là-bas. On va garder le point. Lui il est plus ou moins à l'abri, c'est l'autre qu'il va falloir mettre à l'abri. Ok, alors un. Reste 2 points, on va utiliser celui-là. Il nous reste un seul point. On pourra pas tirer au canon si jamais il y a eu des renforts quelque part. J'ai pas l'impression, hein. Lui il va s'occuper de lui à un tour. Ouais, on continue à avancer. Et on a le cerveau skull pour aller récupérer un point à l'autre bout du monde. Hop. Et comme ça on peut gratter ce point ici. Il n'y avait pas de point. En fait, il est plus loin. Ok. On peut tirer sur un truc? Non. Quand ma flotte voguera de nouveau, vous serez jeté par-dessus bord. Alors oui, les Nécrons, c'était une race en fait hyper avancée à une époque où les Eldar n'existaient même pas encore. Hein. C'était bien avant les Eldar, bien avant la création de tout l'univers. Hein. Ils s'appelaient les Necrontyr. Et en fait, à l'époque, il y avait les anciens et les Ktan qui se battaient et les Necrontyr qui se battaient contre les anciens. Et en fait, ils étaient tellement avancés technologiquement. Qu'ils se sont dit on va battre les anciens. Alors ils ont essayé plein de batailles, ils n'ont jamais réussi à les battre. Et en fait pour réussir à les battre, ils ont passé un marché avec les Ktan qui leur ont proposé la puissance pour qu'ils soient encore plus forts. Et au bout d'un moment ils l'ont accepté et sont devenus les Nécrons, mais totalement assujettis aux Ktan. En gros ils se sont fait arnaquer hein.
Voilà. Alors, est-ce que je prends d'abord le point de connaissance là ou est-ce que j'avance là-bas et c'est l'autre qui prendra le point de connaissance? Je pense que c'est ça plutôt. Ouais, mais l'autre, le point de connaissance va régénérer, hein. Donc faut le prendre ce tour. Voilà, comme ça on va là-bas. Et on va prendre avec le cerveau skull le point là-bas avant qu'il se dégénère. On aurait pu rester à côté de celui-là. Mais on va y passer avec le second. Hein. Voilà, et là on peut même évac. Voilà, donc là on a qu'un point, mais on n'a pas de cerveau skull donc. Alors, c'est simple, on se déplace de 6, donc si je fais 1, 2, 3, 4, 5, on gagne une case de mouvement. En allant prendre celui de derrière. 2, 3, 4, 5, 6, on serait là au lieu de... Ouais, donc ça mange pas de pain d'aller le prendre. Ça sert aussi à rien. Ah bah si, oui, on a perdu un mouvement. Oh, mais je fais n'importe quoi. Mais je fais n'importe quoi. Oui, on n'a pas de points parce qu'on n'a pas le cerveau skull. Oui, donc en fait, si on était parti de là, on serait allé là, on aurait été là. Hein. Ça aurait été un peu plus malin. Ouais, admettons. Vous voyez, on apprend. Mais il peut pas nous choper, je pense pas. Nous, tueurs de nos propres dieux. Ah oui, du coup, ils ont tué l'Ektan après, les Nécrons. Je crois. Il faudrait que je relise l'histoire des Nécrons. Mais du coup, après, quand ils ont eu la puissance, oui, ils ont dû tuer leur, entre guillemets, créateur. Alors, fuyez. Qu'est-ce qu'il nous faut? Rien, on va juste passer là. Retarder une unité. Ah, ça la met en fin de tour, ok. Ah oui, bah... Ok. Bon, faudra bien réfléchir à ce qu'on fait dans ce jeu. Parce que ça m'a l'air plus technique que la plupart des jeux de ce type. Hein. On a perdu tous mes serviteurs, mais les technoprices s'en sont sortis, c'est déjà ça. À pas se plaindre. Donc je suppose que ça va nous coûter des points pour acheter les petites crottes. La corde parvient à s'échapper. Au rapport, Kefra. Bon, l'escouade s'en est sortie vivante, Magos. Compte tenu des circonstances, nous pouvons considérer cela comme une victoire. Nous avons dû affronter une forme de guerre dont les compétences dépassaient tout ce que nous imaginions. Et nous le besoin d'enfermer mes engrammes émotionnels. Une bataille de gagner n'est toutefois pas synonyme de victoire. Nous allons subir des pertes lors de cette mission et nous ne devons pas nous laisser abattre en persistant jusqu'à la victoire. Il y a autre chose. La réanimation. Les Nécrons se réveillent. Tout a commencé lorsque Réchak est tombé sur le tombeau. Mais notre arrivée a accéléré les choses. Cet obélisque était peut-être une forme d'alarme anti-intrusion. Et les sarcophages du tombeau commencent maintenant à s'ouvrir. Il n'y a donc plus une seconde à perdre. Quoi que l'on fasse sur Sylva Ténébris, il faut finir avant que les Nécrons ne soient complètement éveillés. Nous ne savons même pas encore jusqu'où le réseau de tombeaux s'étend. Nous avons donc le couteau sous la gorge, comme Nissia nous garde, quelles que soient nos difficultés. Mes centres émotionnels produisent de la tristesse et du désespoir, mais aucune logique pour m'aider à prendre des décisions. Je préfère les mettre en quarantaine pour le moment et changer d'approche. L'Omnicia nous apprend que lorsqu'une méthode échoue, il faut en chercher une autre jusqu'à ce qu'elle soit toute épuisée. Quels sont vos ordres, Magos? Les Sictari exploreront le tombeau chambre après chambre et occuperont les lieux. Mes Techpris seront déployés afin de valider les objectifs prioritaires et de réagir aux crises. Le temps est certes un facteur essentiel, mais nous réussissons notre mission quand nous déployons complètement et méticuleusement. Je vais mobiliser les Sictari immédiatement, Magos. Opportunité détectée, des formes de chefs Nécrons rarement jamais observées, potentiel d'information
sur les nécrons ajoutés à la somme totale des connaissances humaines. Impératif, se consacrer à l'acquisition d'artefacts, d'informations, de données auprès de... Assez de blasphèmes, Skyvola. Tu préconises l'abandon de nos âmes. Vie Dark Magos Borassis. Appendice 9. Notre unique objectif doit être la mort de l'extraterrestre et de ses œuvres. Tout le reste n'est qu'une déviance des croyances de l'Omnicia. Si l'obtention d'informations égale vrai, allez à victoire. Extraction d'aphorismes. Affronter un ennemi inconnu équivaut à se battre dans le noir. Mieux vaut l'ignorance que l'hérésie. Celle-là, je la ressortirai. Ça, je vais la sortir. C'est clair. Je produis de la frustration face à votre compli. Et je choisis de la ressentir. Sylva Ténébris va verser suffisamment de sang, évitant que les mages n'en viennent aux mains. Nous sommes unis dans notre raison d'être. Telle est la volonté de l'Omnicien. Et elle sera accomplie. Oui, elle sera accomplie. Magos, les reveillés du tombeau sont troublants. Les Sictari ont surveillé la structure que nous avons découverte. Ce qu'ils ont trouvé me préoccupe gravement. Expliquez, xénobiologiste. Les formes de construction nécron se réveillent. Il semblerait que Magos Réchak ait accidentellement activé le processus. Que notre intrusion dans la structure l'a accéléré. Les protocoles de réanimation nécron se poursuivent dans le tombeau dans lequel nous sommes entrés. Et des pics d'énergie dans la région indiquent la présence d'autres structures à découvrir. Mon plan d'exploration de Sylva Ténébris nous permettra de localiser ces structures et de confiner les constructions à l'intérieur. Cela ne sera peut-être pas suffisant, Magos. J'ai détecté un modèle qui se répète dans les protocoles de réanimation. Et la vitesse à laquelle les nécrons se réveillent, les protocoles s'accélèrent. Est-ce une certitude? Les nécrons sont des machines. Des machines agissent selon des modèles et des programmes. Si les protocoles de réanimation continuent d'accélérer, tous les nécrons sur cette planète seront pleinement réveillés dans 264 heures. Compte tenu de l'étendue des structures enterrées, cela constituera une armée nécron supérieure à la capacité de confinement de cette mission. Je vois, notre temps est limité. D'après les calculs stratégiques, le temps passé en mission affectera le nombre total de missions que nous pourrons lancer. Oh, intéressant. Je vais envoyer des troupes de reconnaissance Sictari à la recherche d'autres tombeaux afin de sécuriser des positions avancées pour vos missions de haute priorité. Sire, si la menace Sylva Ténébris n'est pas contrôlée et éliminée avant conclusion du protocole de réanimation, nous serons forcés d'abandonner la planète. Regardez dans le coin supérieur gauche de votre écran. Ouh, ok. On a un projet avatar à gauche, en haut. Elle indique combien de tombeaux nécrons se sont réveillés sur Sylva Ténébris. Essayez de récupérer le plus d'informations et de tech avant d'atteindre les 100%. Je crains qu'ils aient raison. Je ressens également de la peur. Cela fait partie de l'humanité que j'ai choisi de conserver, mais je peux la placer en quarantaine dans mes neurocoffres et décider de me concentrer sur ce qui doit être fait. Nous devons choisir nos missions judicieusement. Ce ne sera pas une tâche facile. L'Omnicia ne nous a pas envoyés ici pour quelque chose de facile. La menace pour l'humanité présente sur ce monde disparaîtra ou nous ne la quitterons pas. Ainsi, cette équation est équilibrée. C'est la volonté du dieu machine. Secteur Ecropis localisé. Le tombeau est baigné dans une écœurante lumière verdâtre qui fait plus que l'illuminer. Elle donne également le plus de profondeur aux ombres. Chaque surface semble connectée par des filaments de lumière extraterrestre. Sa conception sent la tech hérésie. Xéno à plein nez. Le savoir interdit est une structure aussi vivante ou intelligente que tous ceux qui y résident. Les examens d'exploration préliminaires indiquent que les murs sont faits de substances inconnues et de rites, des rites de la métallurgie. Des motifs abstraits gravés dans cette substance montrent des régions inconnues de l'espace répertoriées selon les connaissances extraterrestres. Le poids d'un tel blasphème ralentit la cadence des premières troupes entrant ici. Les hérésies du savoir sont déjà assez mortelles, mais il est peu probable qu'elles constituent le seul danger des lieux. Ok, sympa. Bienvenue sur Castellus Metallican, un cuirassé de classe Arc Mechanicus. Cette classe de vaisseau est l'une des plus importantes de l'Imperium, et elle est uniquement accordée à l'Adeptus Mechanicus. À partir d'ici, vous pourrez personnaliser vos tech priests et vous préparer pour les missions à venir. Vous pouvez sélectionner les missions à partir des portraits des personnages situés sur la gauche de l'écran. Avant de partir en mission, nous devons inspecter et équiper nos tech priests. Ouvrez l'onglet cohorte. Ok, alors on va pas farfouiller, parce que là la vidéo va être super longue. Mais je mettrai les noms des gens à nos tech priests, on les équipera et on se fera une mission la prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt.